Bonjour tout le monde, bonjour chers participants. Donc, on a le plaisir ce matin d'être avec vous pour un séminaire sur les soft skills. Je suis Madame Bradaour Leila, je suis directrice de HLM Casablanca, docteur en ressources humaines et enseignante à HEM Casablanca. J'espère que Ramadan Karim et j'espère qu'il se passe bien pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée par mon étudiante, et ma RH, Dalel Harris. Donc, bonjour Dalel. Bonjour Léla. Dalel, alors je vais présenter Dalel. Dalel est lauréate de HEM, spécialité Management des ressources humaines et la promotion 2017. Dalel a commencé sa carrière professionnelle à Novartis Pharma en tant que stagiaire. Tu as fait ton stage de fin d'études, Dalel, à Novartis Pharma. Et après, tu as intégré Beiersdorf, ce qui est la société Nivea, en tant que HR Business Partner. Et tu y as passé, je pense, presque un an et demi. Ou une année à Nivea. Et après, tu as changé pour Nielsen IQ, où tu y es depuis 2019. Voilà, si mes souvenirs sont bons. Parce Exactement. qu'on n'a pas perdu contact depuis tout ce temps. Et à chaque fois que je te sollicite, tu réponds présente à mon invitation. Merci d'être avec moi et de partager the floor avec moi. Donc, avant de te donner la parole, Dalel, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les séminaires pour lesquels on est tous réunis aujourd'hui. Et permettez-moi de partager mon écran, ma présentation. Voilà. Donc, alors, on va commencer. Aujourd'hui, on entame un ensemble de séminaires qui ont pour objectif de se connaître pour mieux faire son choix de spécialité. Vous êtes en supérieur, en formation, en cursus universitaire et vous avez certainement déjà pensé ou commencé à réfléchir à votre choix de spécialité. Aujourd'hui, HEM vous accompagne justement dans ce choix de spécialité et vous donne tous les outils ou suffisamment d'outils pour ça. D'accord? On a tous, à un certain moment de notre vie, eu à faire des choix. Et le premier choix, le premier grand choix, c'est celui de nos études universitaires. Donc, vous avez déjà fait vos choix respectivement. Et aujourd'hui, vous pensez à vos masters. Est-ce que je vais faire finance? Est-ce que je vais faire RH ou management des ressources humaines? Est-ce que je vais faire marketing, CCA? Logistique ou quoi, peu importe les spécialités, l'essentiel c'est que c'est aujourd'hui que vous vous posez la question et c'est aujourd'hui que vous commencez à réfléchir à ces éléments-là. Et donc aujourd'hui, on va, HEM a pensé justement à vous accompagner, être là pour vous à travers quatre séminaires en ligne. Tous les samedis du mois d'avril, de midi à 13h30. Les séminaires, dont le premier est aujourd'hui, c'est nous ouvrons le bal d'Alel et moi-même, qui est intitulé Les soft skills les plus recherchés par les recruteurs. Le samedi prochain, inch'Allah, c'est les métiers qui ont de l'avenir. Donc, par rapport à la spécialisation, à l'orientation, quels sont les métiers
qui ont existé, quels sont ceux qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui et qui sont ceux qui, quels sont les métiers qui sont d'actualité aujourd'hui, qui représentent l'avenir, en prenant en considération toutes les variables environnementales, la pandémie, tout ce qui se passe autour de nous. Tout ce qui se passe dans notre environnement a fait qu'il y a des métiers qui émergent et d'autres qui meurent. Donc, c'est un séminaire qui est très intéressant. Tous les séminaires sont intéressants, mais j'exprime. Très bien. Alors, le troisième séminaire, c'est l'entrepreneuriat. Et si tu lançais ta start-up? C'est-à-dire, nous avons tous penser, est-ce que je suis capable de lancer mon entreprise, ma petite entreprise, ma start-up? Est-ce que j'ai les outils, c'est-à-dire les connaissances et les compétences pour lancer une start-up? Ben, ce séminaire est fait pour vous poser les bonnes questions, vous permettre, pardon, de vous poser les bonnes questions pour répondre à cette problématique de l'entrepreneuriat. Et finalement, le dernier séminaire, et non des moindres, c'est comment construire sa carrière professionnelle. Sa carrière professionnelle, qu'elle soit orientée entreprise, c'est-à-dire aller travailler dans des entreprises, ou qu'elle soit orientée entrepreneuriat. Voilà les quatre séminaires. J'espère que si vous êtes là, c'est que vous y avez vu un intérêt. Et je vous en remercie. La deuxième phase de ce programme qu'on vous propose, les quatre ateliers, ce n'est qu'une première phase de notre programme. La deuxième phase, c'est des ateliers en présentiel dans tous les campus de HEM. D'accord? Où on va vous faire passer un test d'orientation. Nous avons des tests que nous faisons passer à nos étudiants pour leur permettre de connaître leur profil professionnel, de connaître leur vocation professionnelle et donc savoir finalement quels sont les métiers qui sont faits pour moi, partant de ma personnalité, partant de ce que j'aime, de ce que j'aime moins, etc. Donc, on va vous faire passer d'abord un test de personnalité. Après, on va vous prendre en atelier pour vous expliquer la notion de projet professionnel et comment rédiger un projet professionnel. Et nous allons inviter pour vous des experts métiers dans toutes les branches, dans toutes les dans tous les domaines, avec qui vous pourrez, qui vont partager avec vous leur vécu, leurs expériences, et que vous pourrez questionner et échanger avec eux sur leur métier, sur comment ils sont arrivés à ce métier, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont fait ce métier, comment ce métier évolue aujourd'hui et est-ce qu'il a des jours meilleurs devant lui demain. Voilà. Alors, les séminaires en présentiel vont être organisés par campus. À Tanger, à HEM Tanger, c'est le jeudi 12 mai. À Rabat, c'est le vendredi 13 mai. Et à HEM Casa et HEM Marrakech, c'est le samedi 14 mai, Inch'Allah. J'ai commencé par vous mettre dans le bain. Et voilà, on a des intervenants très intéressants pour chaque séminaire. Aujourd'hui, j'accueille moi-même Dalal Harris, qui est HR Business Partner chez Nielsen IQ. Le séminaire sur les métiers qui ont de l'avenir va être animé par Monsieur Marc Chalet, qui est partenaire chez Singer I. Condi, et Condi, cabinet international de conseil en RH. L'entrepreneuriat, et si tu lançais ta start-up, c'est un Yassine Haddadi, je ne sais pas, j'espère que vous le connaissez, c'est un lauréat de HEM. Il travaille, c'est le CEO il a créé sa propre boîte qui est Market Share et il est influenceur, vous pouvez le chercher sur Instagram.
Et c'est le fameux Vamos Amigo Amiga. Et le dernier séminaire, comment gérer, construire pardon, ta carrière professionnelle, c'est mon amie et collègue Madame Hind Bennani, qui est directrice de HM Tanger. Et voilà, c'est elle qui va animer ce séminaire. Très bien. Alors, pourquoi on commence par les soft skills, d'accord? Pourquoi ce premier séminaire, on a veillé à ce qu'il soit orienté soft skills pour un début? Eh bien, tout simplement, tout le monde parle de soft skills. Les cabinets de recrutement, les directeurs RH, les écoles, les programmes de formation, développement personnel, tout le monde parle de soft skills. Mais qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces soft skills? Qu'est-ce qu'on entend par soft skills? Est-ce que le fait de prendre la parole en public, c'est une soft skills? C'est-à-dire, quels sont aujourd'hui, comment je peux utiliser, parce que les amis, c'est pas pour vous dire, le développement de la connaissance et du savoir dans tout ce qui est master, diplôme, école, ça se valent plus ou moins, plus ou moins. Mais ce qui fait la différence, ce qui fait des étudiants de telle école ou telle autre école qu'ils sont, qui se distinguent pardon, sur le marché de l'emploi, qu'ils sont privilégiés par les recruteurs sur le marché de l'emploi, classés par les recruteurs numéro 1 pendant une année ou 2 ans consécutives ou des années consécutives, ce n'est pas seulement la formation pédagogique, académique. C'est aussi les soft skills, parce que c'est ce qui fait la différence entre un étudiant et un autre, une personne et une autre. Et aujourd'hui, on va encore voir, on va encore d'abord, avec Dalel, je vais vous dire justement ce qu'on va voir avec Dalel, donc comment définir les soft skills. Pourquoi parle-t-on de soft skills aujourd'hui? Quels sont les top 10, le top 10, quel est le top 10, pardon, des soft skills mondialement reconnus, d'accord, qu'on doit avoir? Et, pardon, on va zoomer sur l'entreprise. Quelle est l'importance des soft skills en entretien de recrutement? Comment les évaluer? Et comment les développer. Elle va d'abord poser le décor des définitions des soft skills et prendre sa casquette de recruteur, de responsable RH, pour vous expliquer comment pourquoi l'entreprise apprécie, valorise les soft skills et pourquoi et comment elle fait pour les évaluer et les développer. Ma chère Belen, à toi la parole. Je te remercie là et je salue l'initiative de HM par rapport à tout ce process, donc au cycle de formation en général et à celui-là en particulier. J'espère que tout le monde va bien et let's get started. Comme vous l'aurez compris, donc je vais subdiviser ma prise de parole sur deux grands volets. Donc la première, ce sera un volet plus théorique par rapport aux définitions, etc. Et l'autre volet, ce sera par rapport à l'entreprise. Aujourd'hui, pourquoi on parle de soft skills? Donc on vit dans un monde où l'information, elle devient facile à atteindre, dans un monde où la concurrence est très rude, où il est très important de trouver le moyen de se démarquer.
Donc, alors que les compétences techniques et le savoir, donc savoir-faire sont primordiales, mais ce n'est pas le critère le plus important. Ce n'est pas le critère de sélection le plus important sur le marché du travail. Donc, à compétences égales, moi, recruteur, je chercherai toujours un candidat qui sera se distinguer à travers d'autres compétences beaucoup plus subtiles. Donc aujourd'hui, je suis là pour te parler des soft skills et je te remercie d'être là. Je te rappelle qu'il ne te sera pas possible de poser des questions donc tout au long de cette conférence. Tu pourras poser tes questions directement sur la rubrique Q&A et on aura l'occasion de répondre à tes questions tout à l'heure. Leïla, si tu peux, voilà. Donc, comment définir les soft skills? Donc, qu'est-ce que c'est déjà? De quoi on parle exactement? Ça sera l'objectif donc de cette première partie. Moi, si j'en venais à traduire donc littéralement le terme, ce serait de te dire que c'est des compétences molles ou douces. Donc, à l'opposé des hard skills, qui est un terme que l'on va utiliser pour définir toutes les compétences techniques que l'on apprend lors de nos études ou le cumul de savoirs spécifiques que l'on acquiert dans le cadre de l'apprentissage académique. Alors viens, on va rentrer dans le vif du sujet et essayer de comprendre ensemble tous ces concepts. Next slide. Celui d'avant. Voilà, celui-là. Donc, comment définir les soft skills? Et pour moi, cette image, elle est importante. Donc, je l'ai choisie volontairement. Donc, en fait, ça représente le cerveau. OK? Donc, la partie droite et gauche du cerveau, comment on va aller puiser l'information selon ce qu'on recherche, donc selon dans notre cerveau. OK? Pour moi, les soft skills et les hard skills, elles vont de pair. D'accord? Ce sont deux choses qui sont importantes à avoir. Elles sont complémentaires et il est important de maîtriser les deux. Donc, heureusement, la différence, elle peut se faire rapidement, donc entre les deux. Donc, les compétences techniques, elles sont plus faciles à détecter et à mesurer. Alors que les compétences comportementales ou les soft skills, elles sont un peu plus difficiles à cerner. Donc les compétences techniques, ça va être tout ce qui est capacité que l'on peut donc maîtriser ce que tu as appris en formation ou là ou en cours d'emploi. Alors que les compétences non techniques, ce sont des compétences que tu peux donc, enfin, qui vont te permettre ce sont des compétences qui sont beaucoup plus universelles, donc elles ne sont pas spécifiques à un métier, contrairement donc aux hard skills, et ce sont des compétences qu'on n'aura pas forcément l'occasion de définir rapidement. Moi, je te dirais que tu devrais considérer donc les compétences techniques comme étant toutes les compétences que tu peux énumérer sur ton CV, ou alors tous les domaines dans lesquels tu as des certifications ou des formations. Alors que les compétences qui ne sont pas techniques, donc les compétences comportementales, c'est ce qui va t'aider à établir des relations plus durables avec tes collègues ou avec tes clients. Pour résumer cette partie-là, les hard skills, elles sont faciles à définir, elles sont mesurables, elles sont spécifiques à certains métiers, alors que les soft skills, elles sont plus dures à définir, elles ne sont pas forcément rapidement mesurables, elles sont universelles. Donc, mais encore, me diras-tu. D'accord? Qu'est-ce que l'on considère donc quand on parle de soft skills? Donc, ce sont des compétences interpersonnelles qui t'aident à t'entendre avec tes collaborateurs. Elles sont difficiles à former explicitement. Les compétences non techniques incluent les éléments tels que le caractère, la capacité à travailler en équipe et la compréhension globale et la participation à la culture dans une entreprise, qui d'ailleurs est assez challengeant quand on vient d'intégrer une nouvelle structure ou le marché du travail tout court, d'où l'importance de ce cycle de conférences, me diras-tu. Next slide. Pourquoi on parle de soft skills?
Donc déjà, on vit dans un monde où on doit s'adapter, d'accord, aux nouvelles techniques, aux progrès en général. Donc en fait, tout ce qui est technologie arrive, on arrive aujourd'hui à remplacer certaines tâches que l'on faisait nous-mêmes avant. Donc en fait, on rentre en concurrence avec la technologie. Donc il faudrait aussi se démarquer par rapport à tout ce qui est, ben, tout ce qui a été inventé par l'homme. Et donc ce sera à travers ces soft là que l'on peut se démarquer. Alors miser sur les soft skills, c'est assez donc important pour se développer donc dans un monde professionnel sur le court et le moyen terme. Donc le développement des soft skills est très important. Une étude a démontré que 75% de la réussite professionnelle à long terme dépend du niveau de compétences non techniques des employés. Selon LinkedIn également, 57% des employeurs accordent plus d'importance aux compétences non techniques qu'aux compétences techniques lors de l'embauche de nouveaux employés. En termes plus simples, tu pourras être expert certifié dans un domaine particulier, mais ça ne vaut rien. Ça n'aura aucune importance si tu n'as pas la capacité toute simple de travailler avec tes collègues. D'où l'importance des soft skills. Et voilà pourquoi on va vraiment faire focus dessus et t'aider en fait à te trouver mieux dans ce domaine-là. Next slide. OK. Le top 10 des soft skills. Moi, j'aimerais faire une première différence d'abord avant de te donner les soft skills. Donc, les soft skills en général, on va les subdiviser en trois groupes. D'accord? Donc le premier, ce sera les traits de personnalité. Donc il y a certaines skills qu'on a qui sont innées et qui sont stables donc dans le temps. L'extraversion, l'introversion, l'ouverture d'esprit, la curiosité, etc. Ou les états émotionnels, donc la bonne humeur, la satisfaction, l'enthousiasme et les compétences que l'on peut acquérir comme la créativité ou l'agilité, par exemple. Et donc si j'en viens te parler des top 10 des soft skills, j'aimerais te dire que c'est un choix personnel, donc des skills. J'ai choisi moi-même cet ordre-là. Après, c'est un domaine très, très vaste et je te conseille vraiment d'aller faire tes recherches par rapport à ça, parce qu'il est important que tu te connaisses. Donc, peu importe la spécialité que tu pourras faire, tout à l'heure, Léla en a parlé, dans le programme de HEM, par exemple, en troisième année, quand on a à choisir notre spécialité, on va présenter un projet professionnel. Une grande partie du projet professionnel, elle va parler en fait de ta personnalité, de comment tu peux corréler ta personnalité avec ton futur métier. Et tu ne peux faire ça que si tu apprends à te connaître, à travers beaucoup d'autres moyens, donc on pourra discuter tout à l'heure. Donc là, sur ce slide-là, tu arrives à voir donc une roue avec beaucoup de soft skills. D'accord? Moi, j'en ai choisi que 10. Pour moi, c'est ceux que je vais aller voir en premier quand je vais recruter, quand je discute avec des personnes. Pour moi, ce sont des critères importants à retrouver chez un collègue, par exemple. Mais après, il y en aura beaucoup plus. D'accord? Donc, la première, c'est la communication. D'accord? On ne peut pas faire passer le message que l'on souhaite que s'il est précis, concis et clair. Après, on ne parle pas uniquement de communication verbale. La communication non verbale est primordiale et elle te demandera beaucoup plus d'efforts quant à sa maîtrise par rapport à la communication verbale, mais elle ne passe pas inaperçue. Et c'est un travail que tu devras faire sur toi-même aussi. Quand on parle de communication non verbale, ça va être toutes les émotions que tu montres sur ton visage, comment elle est ta gestuelle quand tu es face à une personne pendant un entretien, par exemple, est-ce que tu croises les doigts, est-ce que tu stresses, tu le montres, etc., tu joues avec tes cheveux, plein de choses. Et la communication non verbale, c'est un travail très dur qu'on fait sur soi et c'est maintenant que tu devrais commencer à le faire. Donc, quand tu passes tes entretiens pour des stages ou les entretiens oraux pour les écoles, etc., ou des présentations que tu fais à l'école, c'est là où tu commences à apprendre et à forger cette soft skill-là. Le sens de la responsabilité, donc comme étant seconde sur la liste, pour moi, la responsabilité, donc le fait de compter sur un collègue, je sais que par exemple, on va travailler sur un projet important, let's say, bon, à l'école,
D'accord, on a un projet. On est 8 personnes à travailler sur un projet. Donc, on va répartir les tâches, etc. On a des deadlines à respecter. On a une présentation à faire pour convaincre le jury. On va aller chercher des sponsors, etc. Après, donc, chacun est responsable de ses tâches. Demain, quand on va commencer à présenter ça face au jury, je sais que j'ai choisi les personnes qui sont avec moi dans le groupe. Je les ai choisies parce que elles ont toutes des critères qui sont importants pour moi. Donc, et le sens de la responsabilité est important. Je sais que demain, personne ne va venir pendant la présentation me dire qu'il a oublié sa partie, qu'il n'a pas ramené la présentation, qu'il n'a pas ramené le produit, etc. Parce qu'il se sent responsable par rapport au groupe, parce que c'est une note de groupe que l'on va avoir, que tout le monde compte sur lui. Donc pour moi, c'est un critère important. La prise de décision, d'accord? Des fois, dans des situations qui sont complexes, on a du mal à prendre des décisions rapidement. Mais c'est un critère important, donc c'est une soft skill qu'on va rechercher souvent chez des managers ou des futurs managers. Parce que c'est important. D'accord, quand on est face à une situation, quand on est pressé par le temps, quand notre équipe nous attend avec une décision concrète à prendre, je sais que je dois avoir un manager qui sera là pour prendre la décision, qui sera ferme, qui est convaincu des raisons pour lesquelles il a choisi cette décision-là et pas une autre. C'est un critère aussi très important. Ensuite, la gestion du temps. Et le temps, j'ai envie de te dire, c'est le problème du siècle, d'accord? Déjà que tout se passe vite, on manque tous de temps. Et quand on travaille dans des multinationales, par exemple, les projets, ils te tombent dessus des fois. Tu peux être organisé comme tu veux, mais les urgences, elles sont là, elles naissent. D'accord? Tu peux être tranquille à travailler sur un projet normal, à faire ta présentation, et qu'on t'appelle pour te dire que tu dois tout laisser tomber pour gérer ça. Et alors que tu as des deadlines, tu as des clients à satisfaire en fin de journée, tu as des présentations à faire pour tes supérieurs, etc. Donc la gestion du temps, elle est importante. Le fait que tu sois organisé, que tu puisses avoir une idée claire de l'enchaînement des tâches que tu dois effectuer pendant ta journée. Que tu sois au courant de toutes tes deadlines que tu as pour tous les projets, c'est la gestion du temps. Comment toi, tu pourras atteindre tous tes objectifs de façon très optimale en utilisant tout ton temps sans être en retard par rapport à tes deadlines. Self-motivation. Et pour moi, ça c'est important parce que quand on parle de motivation, on aura plein, plein d'idées en tête. On peut motiver les autres. Après, la motivation qu'on devrait avoir pour soi-même est un peu plus dure. D'accord? On peut construire des phrases pour convaincre quelqu'un. On va utiliser des termes. On connaît ses forces, etc. On sait ce qui fait plaisir à l'autre. On va lui dire des choses qui pourront le motiver. Après, comment trouver le courage de se motiver nous-mêmes? Ça, c'est important et c'est un travail très important à faire aussi sur soi. Moi, je le dis tout le temps et d'ailleurs, les personnes qui m'ont rencontré donc pendant les ateliers métiers à HM, pour moi, la passion, elle est importante. Moi, j'ai choisi MRH par passion. Je le fais aujourd'hui et avec grand plaisir. Et pour moi, ça, c'est la plus grande motivation. Si je ne suis pas passionnée par la chose, je sais que si je suis obligée de faire la chose, je le ferai. Mais après, est-ce que je ferai ça vraiment en me surpassant? Non. Il faut que je sois motivée. Et pour moi, la vraie, la big motivation, c'est la passion. Donc, toi, ton rôle aujourd'hui, c'est de trouver ce qui te fait plaisir dans la vie et trouver ce qui te motive réellement parce que si demain tu te retrouves dans une structure que tu n'apprécies pas forcément, en attendant de trouver mieux, etc., tu as le devoir de trouver la façon de te motiver dans un cadre qui ne te plaît forcément pas. D'accord? Donc la self-motivation est primordiale à mon sens. Ensuite, la négociation. Donc, savoir négocier, c'est une qualité très recherchée par les recruteurs pour les profils de vendeurs et commerciaux, mais pas que.
toi, aujourd'hui, donc tu vas intégrer l'entreprise demain, donc comme étant junior, etc. Tu as obtenu ton master, tu es content, tu es satisfait de ce que tu as fait. Après, comment tu vas vendre ça au recruteur? Ça, c'est une façon de négocier. Comment tu te vends? Comment tu vends tes capacités, tes connaissances, les projets que tu as faits? Ça, c'est une première négociation que tu vas faire. Je ne te parle même pas des négociations de salaire, etc., que tu auras à faire, mais comment tu te vends comme étant profil sur le marché, c'est une première négociation. Donc, la négociation, ce n'est pas uniquement un critère qui va toucher donc, les profils de vendeurs et de commerciaux. La flexibilité, et j'ai envie de te dire, par exemple, aujourd'hui, chez Nielsen IQ, on est en télétravail, full time depuis mars 2020. D'accord, depuis qu'il y a eu le Covid, on est en télétravail. C'est une formule qu'on a décidé d'avoir globalement, d'ailleurs, pas uniquement au Maroc. Après, savoir, par exemple, bon, alors pour des collègues qui sont mariés, qui ont des enfants à la maison, surtout pendant les vacances, et qui ils doivent être en télétravail, assister au call, préparer les présentations, gérer les enfants. Gérer peut-être la femme qui va venir gueuler parce que tu n'as pas rangé tes chaussettes, etc. Là, tu es obligé de trouver le moyen de t'adapter à la situation. Donc, la flexibilité, c'est un critère important aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Donc, il y a eu le Covid, il y a les crises qui vont suivre, que l'on vit aujourd'hui. On recherche un profil dont on sera sûr. Si demain, il y a un changement, il ne va pas paniquer et me dire non, je ne peux pas. Non, je suis désolée. C'est pas comme ça que tu m'as recruté, c'est pas la situation que j'ai retrouvée, que j'avais acceptée au départ, je ne veux pas. Nous, comme étant recruteurs, aujourd'hui, on va chercher des profils sur qui on pourra compter, peu importe les situations, sur lesquels on pourra compter surtout en situation difficile, qui vont pouvoir sortir de leur zone de confort pour résoudre le problème et nous aider à atteindre l'objectif. Donc la flexibilité, c'est un critère important encore, tu vas me dire. Le travail en équipe. Comme je le disais tout à l'heure, tu peux être très bon dans tout ce que tu as, donc tout ce que tu as entrepris de façon académique, tu as de très bonnes notes, etc. Tu es major de promo demain quand tu as ton master et tu intègres l'entreprise, supposant même que tu aies pu vendre tes connaissances, tes compétences au recruteur, que tu aies intégré l'entreprise. Pendant la période d'essai, on va commencer à voir qu'en fait, il y a quelque chose qui cloche. Tu n'arrives pas à travailler en équipe, tu n'arrives pas à vivre en communauté, tu n'arrives pas à gérer des projets avec les autres. Et on ne cherche pas des robots. Si on le voulait, on aurait pensé à avoir des robots, des logiciels qui vont répondre à des tâches spécifiques sans avoir recours à l'humain, alors qu'on en a besoin réellement. Et donc, si tu n'as pas la capacité de travailler avec des collègues, que tu n'es pas capable de travailler en harmonie, en créant la bonne ambiance avec tes collègues, ça ne sert à rien d'être super bon en comptabilité et avoir eu l'expertise comptable, etc., et être super bon dans ce que tu fais. Je suis désolée, mais s'il n'y a pas cette capacité-là, ça ne sert à rien. C'est un diplôme que tu as eu pour l'avoir, que tu pourras accrocher au mur sans rien d'autre. La résolution des problèmes. Donc là, aujourd'hui, on va faire focus sur des profils qui ont cette capacité-là à aller dans la complexité des problèmes, qui n'ont pas peur des challenges, qui vont chercher en fait la solution la plus optimale pour l'entreprise, pour l'équipe et pour eux-mêmes, afin de résoudre le problème de façon donc rapide, en utilisant les moyens de bord, etc. Donc, la résolution des problèmes, c'est quelque chose que l'on recherche. Elle figure naturellement dans mon classement aujourd'hui. Elle va te demander en fait d'utiliser un peu de logique, d'imagination, de modélisation, etc. Et c'est une soft skill que tu devras apprendre à avoir et tu ne l'apprendras qu'étant sur le marché, réellement, en faisant des projets, en travaillant avec des équipes, etc., en faisant concrètement certaines choses que tu pourras acquérir cette soft skill. Ensuite, le leadership. Et pourquoi donc le leadership
fait partie donc de cette liste. Et pourquoi c'est tout en bas de la liste? Parce que moi, j'estime que si tu as toutes les soft skills que j'ai pu, donc, que j'ai pu te citer tout à l'heure, si tu as toutes ces soft skills-là, c'est que tu es sur le chemin du leadership. On pourra rajouter quelques autres petits détails, mais c'est ça le leadership que l'on recherche. Si tu n'as pas la communication, le sens de la responsabilité, la prise de décision, la gestion du temps, la motivation, la négociation, la flexibilité, etc., si tu n'as pas tout ça, tu ne peux pas être leader. Donc pour moi, le leadership, ça vient donc être complémentaire aux autres soft skills, mais que tu vas avoir en fait avec le temps, quand tu auras développé toutes ces soft skills-là. Next slide. OK. Donc, comment évaluer les soft skills? Donc, avant de pouvoir donc te parler de ça en détail, il y a une méthode que l'on utilise donc en recrutement. On l'utilise beaucoup plus souvent au recrutement, mais dans la vie, au quotidien. Donc, on aura une méthode que l'on appelle STAR, donc comme étoile, Situation, Task, Action and Result. Donc, quand on va te poser une question toute simple, en entretien par exemple, on va te demander de parler d'une expérience passée. Et en fait, selon la réponse que toi tu donnes, on va anticiper tes réactions futures par rapport à ce que tu as pu avoir comme réaction précédemment dans des situations similaires. Aujourd'hui, moi, c'est une méthode que je vais utiliser pour un peu détecter les soft skills, que ce soit en entretien de recrutement, dans la vie, au quotidien, en entreprise, pour voir comment ça marche entre les collègues, etc. Donc, moi, je vais voir comment les personnes, elles réagissent aux situations. Qu'est-ce qu'elles entreprennent comme action pour répondre à certaines situations et quel en est le résultat. Pour moi, c'est la façon la plus simple, la plus naturelle en fait, d'évaluer les soft skills. Ensuite, il y a donc les tests professionnels qu'on va faire, donc les tests psychotechniques, etc. C'est quelque chose que je te conseille aussi de faire bien avant d'intégrer donc l'entreprise pour que tu puisses te connaître. Donc l'observation des comportements, comme je le dis, que ce soit les comportements passés ou le comportement donc au quotidien en entreprise, on va mettre les personnes dans des situations particulières. Pour moi, ça aussi, c'est important. Donc, en entreprise, on va choisir, par exemple, quand je décide en fait qu'une équipe, moi, je suis manager et que l'un des membres de mon équipe, j'estime qu'il est à peu près prêt à occuper le poste de manager. Donc, il peut me succéder ou alors, je peux créer un poste et lui déléguer donc certaines tâches. Il aura une équipe qui lui sera rattachée. Donc, afin de pouvoir donc voir concrètement comment il risque de réagir demain s'il prend ce poste-là, je vais le mettre dans des situations concrètes. Je peux l'appeler donc une matinée pour lui dire, écoute, je serai pas là aujourd'hui et j'aimerais que tu puisses donc prendre le lead sur ce projet-là. Et je le laisse faire pour voir comment ça va se passer et voir le résultat qu'il va pouvoir obtenir, comment il a pu interagir avec les autres, comment il a pu réagir aux difficultés. Donc c'est là où je vais pouvoir voir réellement si la personne elle est prête ou est-ce que je dois encore l'aider, lui donner plus de matériel en fait, de matière afin d'atteindre donc ce poste-là. Next slide. Alors, quelle importance va-t-on accorder donc aux soft skills en entretien de recrutement? Et bear with me, c'est une partie qui est super importante. Je vais te donner donc l'exemple de quelques questions que tu risques d'avoir donc en entretien, et je vais essayer de te donner donc la réponse la plus optimale donc par rapport à ces questions-là. Quel en est en fait, quel est le lien, quelle est la corrélation entre la réponse que tu donnes et l'autre sujet aujourd'hui qui est les soft skills. Comment le recruteur va en fait piocher les soft skills par rapport à tes réponses en posant ces questions-là. Next slide. Donc en fait, ces trois questions qui risquent d'être posées. Donc quels sont vos soft skills et
Il y a beaucoup de questions similaires à ça. Donc, quand on parle, quand on vous demande de donner donc vos points forts, etc., à l'ancienne, c'est pareil. Donc, quand on vous pose la question directement, quels sont vos soft skills, on s'attend à une réponse particulière. Donc, ça, c'est une question qui est directe, qui demande de la préparation, par contre, avant l'entretien. Donc, imagine que ton entourage admire ta capacité d'écoute et l'attention que tu portes aux autres. Donc, l'empathie peut être une soft skill très intéressante à développer. Donc, par exemple, on m'a posé cette question et la réponse serait que, voilà, pendant mes études, lors des travaux en groupe, je sentais assez vite que lorsqu'un membre donc de l'équipe s'affectait par rapport, s'effaçait par rapport aux autres. Donc, j'ai adapté le réflexe d'en parler systématiquement avec la personne pour voir si je pouvais l'inclure davantage à chaque fois. Et cela, donc, m'a permis de redonner de l'élan au groupe tout en développant ma confiance en moi. Donc là, c'est quoi? La clé, c'est que tu as identifié une soft skill et tu as pu en parler en entretien. Donc la confiance, l'empathie, la créativité, le leadership, toutes ces soft skills-là, elles t'appartiennent. Ce sont tes qualités propres. C'est ce qui va te rendre en fait unique. Donc un petit travail sur toi-même que tu devras faire, que tu devras répéter donc constamment afin de l'améliorer. Et tu peux en fait lier toutes les soft skills auxquelles tu penses à des situations concrètes. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour la méthode STAR, donc tu vas choisir une situation particulière, une soft skill réelle, et tu vas en fait me décrire toute cette situation-là en mettant en valeur la soft skill qui fait que toi, en fait, tu es une valeur ajoutée pour l'entreprise. Tu peux trouver l'exercice difficile au départ. Après, c'est normal que ce soit le cas. Tu peux aller te tourner vers ton entourage, poser des questions. Qu'est-ce que tu penses de moi? Quelles sont mes qualités? C'est quoi les choses que tu apprécies réellement quand tu travailles avec moi, etc. Et tu peux donc piocher les réponses des personnes et voir quelle est la soft skill qui te paraît logique et la développer. Repenser à un projet, par exemple, sur lequel tu as travaillé, et faire la corrélation entre les deux. Ensuite, donc la seconde question, donc parlez-nous de vos expériences passées. Ça, on ne risque pas de te poser la question comme ça directement, mais on va te dire, par exemple, parle-moi d'un projet dont tu es fier. Donc, c'est un projet que tu as pu faire auparavant, que tu estimes un très bon projet, que tu as appris beaucoup de choses par rapport à ça. Et donc, tu vas choisir le projet, mettre la situation et trouver la soft skill par rapport à ça. Par exemple, on te dit souvent que tu as une imagination débordante, d'accord? Donc, la créativité, c'est une soft skill qui peut faire la différence. Donc, même si je dis n'importe quoi, tu postules pour un poste d'auditeur, d'accord? Mais la créativité, elle est importante. Donc, on va essayer de corréler les deux. Au cours de mes études, lors d'une présentation sur les médias américains, j'ai proposé de mettre en scène les quatre membres de mon groupe de travail sur un plateau télé. Chacun jouait un rôle précis, présentateur, chroniqueur, invité. Ce qui devait être un simple exposé s'est transformé en présentation et nous a permis de capter l'attention de toute la classe. Donc là, c'est quoi? C'est que tu me dis qu'en fait, tu vas me parler d'une présentation, donc qui peut paraître normale. Donc tout le monde a fait des présentations pendant ses cours, etc. Mais tu as essayé donc de mettre en valeur la créativité, qui est une soft skill très importante aussi, quelque chose que l'on arrive à détecter chez certains, plus que chez d'autres. Donc certaines personnes devront travailler sur ça. La créativité, elle existe chez tout le monde, d'accord? Tout le monde est créatif à sa manière. C'est juste que tout le monde n'est pas au courant, ne sait pas que, en fait, c'est de la créativité. D'accord? Le fait que tu penses out of the box, le fait que tu aies des idées un peu décalées par rapport à tes camarades en cours, etc., c'est de la créativité. Quand tu me sors une réponse en cours qui fait rire tes camarades, mais pour moi, c'est que tu as vu la réponse à la question de façon vraiment différente.
Donc, tu penses différemment. Donc, tu as de la créativité. C'est quelque chose que tu devras apprendre à détecter toi aussi et voir quelles sont les choses où ta créativité est le plus débordante. D'accord? Ensuite, est-ce que vous avez des questions à poser? Et ça, c'est une partie en fait qui est très négligée par les candidats en entretien. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, ça donne une image réelle sur la personne. Et le fait que tu répondes non, déjà, non, j'ai pas de questions, ça finit en fait l'entretien sur une note très triste. Parce que là, je me dis que la personne, elle n'est pas forcément motivée à rejoindre l'équipe, à rejoindre l'entreprise, qu'elle n'a pas eu la curiosité en fait d'aller faire ses recherches. Et parce que même si tu vas aller, donc je parle de Nielsen IQ aujourd'hui, tu vas aller faire tes recherches par rapport à l'entreprise afin de postuler, etc. L'information que tu vas trouver sur Internet, elle n'est pas forcément complète. La personne habilitée à te donner le complément d'information, ce sera moi. Et donc le fait que tu aies l'envie en fait de connaître la culture de l'entreprise plus en détail, de voir comment les équipes elles travaillent, quels sont les outils qu'on utilise, etc. Ça fait que tu as essayé d'imaginer comment ça se passe chez nous, tu n'as pas eu toutes les réponses, mais que tu as pu profiter donc de l'entretien pour me poser cette question-là pour que je puisse éclairer la situation pour toi. Donc, encore une fois, on va voir la mise en situation. Donc, alors là, est-ce que vous avez des questions? Donc, on va prendre la situation où, par exemple, voilà, donc l'entreprise, donc le recruteur a posé toutes les questions et là, il me dit, est-ce que vous avez des questions? Donc moi, je vais réagir, je vais dire, lorsque vous avez donc présenté le fonctionnement de l'entreprise, j'ai noté que le volume d'échanges internationaux était important dans le quotidien des consultants. J'aimerais savoir quels outils vous utilisez pour communiquer et si vous avez des traducteurs pour soutenir certains dossiers. Donc là, c'est quoi? C'est pas que il n'y a pas en fait que la culture qui m'intéresse ou que le poste pour lequel j'ai postulé, c'est en fait comment ça se passe réellement et concrètement chez vous pour que je puisse avoir une idée par rapport au logiciel que vous utilisez, les investissements que l'entreprise fait en général. Et là, ça donne l'impression au recruteur que cette personne-là, elle est vraiment motivée à rejoindre l'entreprise. Et là, en fait, quand on répond de cette manière, ça fait que on va mettre en valeur une soft skill qui est très importante et qui est l'écoute. Parce que quand je présentais l'entreprise, c'était une présentation globale de l'entreprise que toute personne pourrait faire. Le candidat a eu le réflexe en fait de bien écouter le recruteur, de se rappeler de certains détails qui lui ont permis de poser cette question-là. Donc l'écoute, c'est très important. Donc on a pu mettre en valeur cette soft skill-là. Next slide. Merci. Donc, comment développer ces soft skills? Donc là, déjà, j'invite de te faire un petit rappel, d'accord? On ne va pas faire focus uniquement sur les soft skills, donc dans le quotidien. On va essayer de merger donc les deux, compétences techniques et compétences donc comportementales. Et donc, le fait de les avoir tous les deux en tandem, ça fait que on a un profil plus ou moins complet. D'accord? Comment on va développer ces soft skills? Donc pour moi, rapidement, avant que tu puisses intégrer l'entreprise, donc quand tu étais donc à l'école, voilà, tu faisais partie du BDE, donc le bureau des étudiants. Et donc si tu as déjà participé à ça, tu sauras que le fait que tu aies la soft skill de négociation, parce que tu dois négocier déjà avec l'école pour certains projets, etc., pour le budget. Quand tu vas essayer de convaincre tes camarades pour voter pour ton équipe à toi et pas pour le concurrent,
le fait que tu puisses donc mettre en place une soirée de dingue avec des deadlines de fou, avec très peu de moyens, ça fait que je sais que c'est un étudiant qui demain, si je le recrutais, je sais qu'il pourra gérer de A à Z un projet lui-même. Il pourra prendre le lead, chapeauter d'autres personnes et gérer tout un projet à travers l'expérience qu'il a eue, les stages. Et les stages, c'est en fait, par exemple à HEM, les stages se font chaque année. C'est un module important donc, durant l'année. Donc, on ne peut pas passer à l'année suivante si on n'a pas effectué de stage. Et ça permet en fait aux étudiants de HEM d'avoir une idée déjà, une première idée par rapport à l'entreprise. Donc, ils ne débarquent pas comme des aliens en entreprise une fois qu'ils ont leur diplôme. C'est des personnes qui ont déjà un avant-goût de comment ça se passe en entreprise, comment les projets sont gérés, comment on va interagir avec les autres, comment se comporter ou pas en entreprise. Et donc, ça leur permet en fait de développer déjà certaines soft skills. La vie associative et que vous soyez à l'école ou hors donc école, après les clubs, etc., ou les associations, c'est une partie très importante de votre vie parce que ça vous permet là aussi de développer un autre volet de soft skills, donc l'humilité, l'empathie, etc., par rapport à une catégorie particulière de personnes, parce qu'on a en fait cette envie-là d'aider cette catégorie-là. On va ressentir certaines émotions qui seront différentes. Et donc, ça va nous permettre de développer certaines soft skills. En entreprise, c'est un peu plus clair, un peu plus structuré, les formations. Donc, concrètement, quand on parle donc, de leadership, par exemple, comme je disais tout à l'heure, quand on va promouvoir une personne, on va déjà donc voir par rapport aux compétences techniques, on va évaluer la personne pour savoir si donc la personne, elle est capable donc d'intégrer d'occuper ce poste là ou pas. Et quand on estime que la personne elle manque de certaines donc soft skills, on va essayer de faire des plans de formation pour l'accompagner afin d'éviter ces petits problèmes. Les jeux de rôle, comme je disais en entreprise tout à l'heure, quand on va laisser une personne gérer un projet particulier à la place d'une autre personne pour voir sa réaction, etc. Les mises en situation, pareil. Le mentoring et le coaching. Ça aussi, c'est un volet très important en entreprise, donc souvent géré par les RH ou quand on a des coachs en entreprise aussi. Donc, c'est une façon aussi de développer ces soft skills-là. Après, donc, l'idée la plus importante pour moi et que tu devrais garder en tête, c'est que la seule façon pour que tu puisses développer ces soft skills, c'est que tu puisses déjà avoir une idée de tes soft skills à toi, donc ce que tu as déjà et comment tu peux les développer. Donc, si tu ne fais pas tes recherches par rapport à toi-même, que tu puisses te connaître, etc., il n'y a pas à parler de développement de soft skills. D'accord ? Faudrait que tu puisses faire l'analyse de ce qui est existant donc aujourd'hui et voir ce à quoi tu aspires. Donc, si demain tu veux être DRH ou DAF, etc., il y a certaines compétences comportementales que tu es obligé d'avoir. Et en fait, tu devrais faire tes recherches par rapport à ces postes-là et voir ce qui te manque et comment les développer à travers ces outils-là. Donc, pour conclure, tout au long de sa vie, donc on aura la personne elle aura à développer donc certaines compétences. On va acquérir des compétences techniques, on va pouvoir développer des compétences plus soft, etc. Donc il y aura des compétences qui sont des soft skills qui sont déjà existantes, qu'il faudra développer, d'autres que l'on va apprendre donc à l'école ou en entreprise. Mais j'aimerais que tu retiennes qu'il est important de trouver le moyen de se différencier de ses camarades, parce que demain, peu importe la spécialité que tu choisis, peu importe l'école que tu fais, tu auras un diplôme, ce sera un bac plus 5, comme tous tes camarades. Donc déjà, rien que par rapport aux personnes qui font partie de ta classe, il faudrait trouver le moyen de te différencier.
D'autant plus par rapport aux autres écoles, etc. Donc, pour moi, c'est un point très important. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas aspirer à des pro à des donc à des postes de responsabilité, etc. Si tu n'as pas la capacité déjà de te démarquer par rapport à ça. Et la clé de réussite pour moi par rapport à ça, c'est de te connaître. Il n'y a personne qui peut te connaître mieux que toi-même. Et donc, c'est un effort que tu devras donc fournir par rapport à toi. Et comment tu vas commencer donc ce process-là? Donc déjà, donc comme dans n'importe quel process, donc comme je disais tout à l'heure, il faut faire l'analyse de l'existant pour voir ce que tu as et voir ce qui te manque pour pouvoir le développer. D'accord? Donc voilà. Donc une fois que tu auras donc cette réflexion-là par rapport à toi-même, tu te connais plus ou moins parce que tu vas continuer à te connaître toute ta vie. C'est un processus qui se terminera jamais. D'ailleurs, comme le développement des compétences aussi, plus tu avances, plus tu grandis, plus tu vas développer certaines compétences à travers les connaissances que tu vas rencontrer, à travers les expériences que tu auras, etc. Pour moi, ce sera bon. Je te remercie d'avoir donc rejoint ce séminaire et je te conseille vivement d'aller faire des recherches et de rejoindre des prochaines conférences. Et je suppose qu'on va se retrouver dans la rubrique Q&A tout à l'heure. Tout à fait, Dalel. Donc, tu restes pour répondre aux questions, s'il te plaît. Et moi, je vais commencer par la première question. C'est quand commence le travail sur les soft skills? Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un process qui a déjà commencé, qui est censé donc que tu es censé avoir entamé déjà et qui ne va jamais se terminer. Donc, c'est un process que tu auras tout au long de ta vie. Et quand est-ce que tu commences en fait aujourd'hui? Là, tu as participé à cette conférence. Tu sais qu'il est primordial d'avoir des soft skills et c'est aujourd'hui que tu dois commencer à faire donc tes recherches par rapport à toi-même pour que tu puisses te connaître et développer donc les soft skills. Par rapport au poste que tu aspires demain, par rapport au projet que tu veux avoir, si tu veux entreprendre, etc. Il y a des soft skills particulières à avoir aussi. Donc, c'est maintenant que tu dois commencer à forger ces soft skills-là. Alors, merci Dalel. La deuxième question, s'il vous plaît, si on souhaite s'auto-évaluer côté soft skills, quels sont les tests en ligne et gratuits, pouvez-vous nous conseiller? Alors, en fait, les tests donc de personnalité gratuits sur Internet, il suffit de taper sur Google, il y en a plein. D'accord? Les questions, elles se répètent, elles sont quasi pareilles selon donc le site que tu vas retrouver. Il y a certains qui sont plus développés, qui sont payants. Donc, faut payer pour avoir la qualité du rapport. On ne va pas se mentir. Et l'Ennéagramme, c'est un process important aussi. C'est un rapport assez long, assez important que tu risques d'avoir. C'est des questions très précises, très détaillées. Et je te conseille, hein, si tu as l'intention de faire donc un test que tu veux, donc payer la somme pour, Ennéagramme, c'est important. Tu devrais le faire. Et aussi venir vivre la deuxième phase à HEM parce que Exactement. nous prévoyons un test justement pour évaluer les soft skills le 14 mai, le samedi 14 mai à HEM Casablanca. J'ai parlé tout à l'heure des autres campus. À Tanger, ça va être le jeudi 12 mai et le vendredi. Non, le jeudi 13 mai à Tanger, le vendredi 14 mai, pardon, le 12 mai à Tanger, le 13 mai à Rabat et Marrakech et Tanger, et Marrakech et Casa le 14 mai. Alors, une autre question, est-ce que je peux parler en arabe dans un entretien? Alors, j'ai envie de te dire que je ne vois pas pourquoi tu devrais parler en arabe, d'accord, parce que je ne vois pas ce que ça va t'apporter, ni à toi, ni au recruteur. Tout ce que tu entreprends en entreprise, la base, c'est le français. Et c'est même plus quelque chose que l'on va chercher parce que c'est censé être acquis. C'est le béaba de ce que tu devrais avoir parce que l'anglais est sur le chemin aussi d'être sur les basics. OK? Il n'y a pas une multinationale aujourd'hui au Maroc qui ne demande pas la maîtrise de l'anglais.
Donc, je ne te parle pas du français et je laisse l'arabe. D'accord? Il y a certains postes qui vont demander spécifiquement l'arabe. C'est important, par exemple, en RH aussi. Si on va gérer la partie administrative, par exemple, la gestion donc, de la relation avec l'inspection de travail, les articles de loi, etc., c'est en arabe. Ce n'est pas en français. Donc, c'est un critère important. Mais après, pourquoi on va aller faire focus sur l'arabe, je ne sais pas. Après, voilà, moi je te conseille de Si développer le le poste maximum le de langues. nécessite, effectivement, si le poste le nécessite. Mais pas un entretien, donc c'est pas un réflexe que tu devrais avoir. Je te conseille vraiment d'investir par rapport aux langues parce que c'est important. Comme je disais, l'anglais commence à être donc dépassé. On cherche d'autres langues dans certaines boîtes, donc investissez par rapport à ça, c'est important. Merci. Next, est-ce que les recruteurs préfèrent des personnes, plus une personne calme ou une personne plus ou moins agitée, mais in a good way? Ok, donc voilà. Déjà, quand tu me dis in a good way, parce que ce que j'essayais de t'expliquer tout à l'heure, c'est comment tu te vends en entretien. D'accord? Donc, le fait que tu utilises agité, pour moi, c'est un no. D'accord? Par contre, une personne dynamique, c'est une personne que l'on recherche, effectivement. Donc, le fait que tu mettes en valeur cette soft skill-là, que tu es une personne dynamique, je sais que, d'ailleurs, moi aussi, je le suis, et c'est quelque chose qu'on me dit régulièrement. Donc, je sais que par passion, je viens au travail, etc., que je gère les projets, et je suis là, je suis dynamique, je vais être full énergie quand je parle des choses qui me passionnent. Et c'est quelque chose que... qu'on va notifier régulièrement. Faut juste choisir le bon terme. Après, calme, ça dépend de ce que tu veux dire aussi par calme. Parce que une personne qui ne parle pas, qui ne s'intègre pas, qui ne fournit pas l'effort, pour moi, c'est pas forcément le type de personne que je rechercherais. D'accord? Donc, faut vraiment choisir le bon terme et essayer de le vendre au maximum. Très bien. Comment booster la compétence en soi? La confiance, je suppose. Pardon, c'est sûr, la confiance en soi pour monter sur scène. Ah, d'accord. En fait, pour la blague, je suis une personne, mais super shy en réalité. D'accord? C'est quelque chose que j'ai pu développer donc, durant tout mon cursus HM parce que mon père, qui est mon père, qui me connaît très bien, m'a fait la remarque quand j'ai eu mon diplôme. Il a dit que la personne qu'il a remis à HM, en première année, c'est pas la personne qui ressort aujourd'hui, donc après 5 ans. C'est quelque chose que j'ai pu développer donc durant mon cursus à travers les présentations. D'accord? Le fait que je me cache derrière mes camarades, non, c'est bon, vas-y, tu peux parler à ma place et tout, ça te permet pas de développer cette soft skill-là. Le fait que tu sois tout le temps là, ouais, moi je peux le faire tranquillement, même si tu stresses. Parce qu'aujourd'hui, moi aussi, je suis stressée. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais moi aussi, j'ai stressé aujourd'hui. Et le fait que tu sortes de ta zone de confort, que tu te lances des challenges, ça te permet en fait de booster cette confiance en soi. Après, il est important de savoir que comment toi, tu te vois, c'est comment les autres risquent de te voir. Donc, si tu penses que tu es la meilleure personne à occuper ce poste ou à gérer ce projet ou à être sur scène, c'est que forcément, les autres vont le voir. Moi, je suis convaincue aujourd'hui que j'étais très bien. Donc, tu vois, j'avais l'idée avant de rejoindre le col. Et après, j'estime que c'est une énergie que je partage avec toi aussi. C'est ce que tu vois, parce que moi, j'y crois. Donc, le fait que tu penses certaines choses de toi-même, c'est ce qui va en fait te permettre de donner la même image aux autres. Donc, pareil pour la confiance. Une autre question, peut-on recruter uniquement à partir des soft skills? Uniquement par rapport aux soft skills. D'accord? C'est vrai que à un certain niveau donc d'expérience, on ne va plus parler de diplôme, on parle d'expérience concrète en entreprise. Donc je parle d'une personne qui a plus de 20 ans d'expérience, on va plus lui demander donc quel diplôme tu as eu ou quelle matière tu as étudié. On va parler de compétences réelles apprises en entreprise.
Mais on ne pourra pas uniquement se focaliser sur les soft skills parce que c'est un effort énorme pour l'entreprise. Parce que je ne sais pas si vous le savez, donc les formations, ça coûte cher en entreprise. Donc c'est un budget très important à avoir. C'est quelque chose sur lequel on travaille chaque année. Et donc le fait que j'investisse autant pour développer le personnel que j'ai aujourd'hui pour le rendre meilleur. Ça me coûte énormément d'argent. Ben, imagine si je m'amusais à recruter des personnes qui n'avaient pas la base des compétences techniques. Non. Ça me coûterait beaucoup trop cher. Ça me coûterait du temps, énormément de temps. Et à quoi bon? La base, elle devrait exister. Donc, si tu as un diplôme en finance, que tu postules pour un poste en finance, tu as les compétences techniques nécessaires, ce qu'on va voir, c'est le surplus. Et le surplus, c'est quoi? C'est les soft skills, c'est ce qui va te permettre de te différencier par rapport à ton camarade qui a eu le même diplôme. On ne va pas se focaliser uniquement sur les soft skills. Très bien. Alors, comment cultiver ces soft skills? Cultiver, c'est un travail acharné sur soi-même, d'accord? Comme disais tout à l'heure, il faut que tu apprennes à te connaître, que tu puisses détecter les soft skills existantes, de ce que tu devrais donc avoir comme soft skills, et utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour atteindre ces soft skills-là. Et quand je te parle de moyens, ça va être aller faire tes recherches, bouquiner, rencontrer des personnes. Donc le fait que vous ayez des intervenants en cours, par exemple, c'est des personnes qui sont sur le marché du travail depuis belle lurette, qui ont l'expérience nécessaire, etc., qui ont avec le temps appris certaines soft skills. Et le fait d'être là à leur poser le maximum de questions par rapport à ça, ça vous aide. Le fait que tu puisses donc faire des tests de personnalité, etc., pour détecter donc les soft skills qui sont existantes et te lancer des challenges. Sortir de ta zone de confort. Tu ne vas jamais apprendre si tu ne sors pas de ta zone de confort. Tu ne peux pas me parler de confiance en soi si tu évites toute confrontation avec les autres. Donc, tu ne peux pas développer cette soft skill-là. Donc, la clé, c'est de sortir de ta zone de confort, te lancer des challenges, aller faire en fait ce qui te fait peur. C'est en allant vers tes peurs que tu vas pouvoir éliminer les peurs et te développer. Donc, voilà. Comment je pourrais parler de mes soft skills? Comme on a vu tout à l'heure dans la rubrique donc soft skills et recrutement, c'est en fait le fait que tu me dises dynamique, motivé, etc. Tu me lances des termes que tout le monde connaît, mais ça ne fait pas que en fait tu as réellement ces soft skills-là. Le fait que tu puisses me mettre dans des situations réelles, que tu me recontextualises par rapport à la soft skill, c'est là en fait où je verrai concrètement. Si réellement tu es dynamique, que tu es motivé, etc. C'est à travers une situation concrète, un vécu que tu as eu, un projet que tu as géré, des tâches concrètes que tu as effectuées, un résultat concret par rapport au projet que tu as pu obtenir, que tu vas me vendre cette soft skill-là, que tu vas pouvoir me dire que oui, en fait, voilà, là, j'ai cette soft skill-là à travers une situation concrète. Une dernière question, mais n'hésitez pas, s'il vous plaît, on est encore à votre disposition. Alors, est-ce que soft skills et savoir-être sont synonymes? Moins, oui, parce que le savoir-être fait partie des soft skills. Comme je disais tout à l'heure, il y a trois catégories. Donc, il y a certaines soft skills qui sont innées, qui existent par rapport à ce que tu es comme personne, comme le fait d'être introverti, extraverti, etc., l'ouverture d'esprit, la curiosité. Il y a tout ce qui est état émotionnel. État émotionnel, donc ça va être enthousiasme, etc. Et les compétences que tu vas acquérir tout au long de ton existence, que tu vas pouvoir développer, etc. Et ça va être la créativité et l'agilité. Donc quand tu me parles de savoir-être, ça englobe certaines choses. Donc quand je te dis trait de personnalité ou état émotionnel, c'est que c'est ta façon en fait d'être, de comment toi tu es, comment tu réagis aux situations.
C'est une partie, oui. Ce n'est pas synonyme, mais c'est une partie des soft skills aussi. Très bien. Alors, une question pour moi. Comment le candidat peut identifier ses soft skills? Le candidat, une personne lambda, moi, toi et les participants aujourd'hui, comment ils peuvent identifier leurs soft skills? Déjà, une self-réflexion au départ, parce que ta perception à toi par rapport à ta personnalité, comment toi tu te vois, tu sais qu'il y a... Est-ce que tu peux justement, est-ce que tu peux aller dans le détail? Est-ce que tu peux dire, poser les questions, donner des exemples de questions à se poser soi-même pour identifier nos soft skills, justement? Parce que c'est très facile de dire, ah, je fais un travail d'introspection sur moi, mais comment? How? Ok, donc quand je te disais tout à l'heure que pour moi, par exemple, la passion, c'est important, c'est ce qui va me motiver, je sais qu'il y a certaines choses, donc en fait, je ne peux pas être née juste comme ça. J'ai été créée pour une raison particulière. J'ai été envoyée sur Terre pour une raison particulière. Pourquoi je suis là? C'est quoi mon objectif réel sur Terre? Je ne vais pas juste respirer, attendre de mourir. D'accord? J'ai envie d'atteindre des objectifs concrets. Je veux être connue. D'accord? Et donc, c'est ce à quoi moi j'aspire. Et donc, qu'est-ce que je suis réellement aujourd'hui comme étant DLL? Qu'est-ce qui existe déjà en moi qui me permettra demain d'être connue? Je dirais, je vais, d'accord? Ça, c'est le premier truc et c'est important aussi. Et donc, je me pose la question, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je veux de faire de ma vie en général? Ce à quoi j'aspire? Je vais me référer aussi à des situations que j'ai vécues. Par exemple, quand on va parler de relations avec les autres, ma relation, par exemple, avec ma meilleure amie, je pourrais la décrire concrètement, comment on est. Je sais que cette amie-là va m'appeler, on ne se parle pas souvent par exemple, elle habite dans un autre pays, etc. On ne s'appelle pas chaque jour, mais je sais que elle va m'appeler quand elle sera en situation difficile, pas pour que je puisse trouver des solutions, uniquement pour que je puisse l'écouter. Ça, c'est ce qui décrirait le mieux ma relation avec ma copine. Et donc là, je sais que moi... l'écoute active, je l'ai. Ça fait partie de moi. D'accord? Donc, le fait que tu puisses analyser tes relations avec les autres, comment tu interagis avec l'autre, c'est quoi ta relation concrètement avec l'autre, c'est quoi la chose que l'autre apprécie chez toi, c'est ça. Donc, elle te permet donc de trouver une soft skill. Qu'est-ce que toi, tu aimes chez toi? Pourquoi moi, je m'aime? Je m'aime pour des raisons particulières, d'accord? J'aime le fait que je vais travailler de façon acharnée à atteindre mes objectifs, je le sais. Je peux pleurer pendant le process, je peux devenir dingue, péter un câble, etc. Mais je sais que je vais atteindre mon objectif et c'est quelque chose que j'apprécie. Donc, c'est quelque chose que j'aime en moi. Donc, je vais aller voir les choses que j'apprécie réellement en moi et les choses que je n'aime pas. Les choses où je me dirais, Dalel, sérieusement... Moi, à la place des autres, je t'enverrai balader parce que tu me fais ça. D'accord? Donc, c'est les choses que je n'aime pas en moi. Et je vais analyser ça et je vais travailler dessus. Après, il est important, comme je disais tout à l'heure, parce que la self-réflexion, elle est difficile. D'accord? Le fait qu'on essaye de comprendre, etc., c'est assez difficile. Donc, le fait de se référer aux autres, c'est plus facile. Aller poser la question à ses frangins, à ses potes, ses collègues, etc., c'est important parce qu'ils ont une vision un peu plus objective par rapport à la personne. Donc, ils vont te dire, oui, il est là, voilà, il y a quelque chose que tu fais réellement bien, on t'apprécie pour ça. Donc, ça, c'est une soft skill que tu devrais piocher. Ou alors, c'est une chose que tu ne fais pas bien, tu devrais modifier. Et une autre question, si tu me le permets, Dalel, si tu avais à donner un conseil aux participants, quelle est la soft skill, la plus utile à vendre à un recruteur? Parce que c'est vrai que on est en train de sensibiliser les participants à développer leurs soft skills d'une façon générale. Mais quelle est celle, en tant que recruteuse, si on te la sort bien argumentée, bien présentée, tu es
Tu es catché par le profil. Je suis désolée de te dire que pour moi, ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas une seule soft Super. skill. Par contre, la chose la plus importante à garder en tête, c'est qu'il est vraiment réel, donc réellement important de rester soi-même. Parce que, comme on disait avant, quand on rédigeait nos CV, etc., inutile de mentir donc sur le CV parce qu'on finira par le voir plus tard. Pareil, quand on parle de personnalité, quand on parle de soft skills, quand on essaie de se vendre, donc à un recruteur, il pourra détecter comment. D'accord? Parce que la liste des soft skills, elle existe. Donc, sur Internet, on va aller faire des recherches un peu plus deep par rapport à chaque soft skill. Mais je verrai, moi, comme étant recruteur, que la personne a fait des recherches juste pour comprendre ce que c'est que la soft skill et pour me la vendre. Je pourrais le détecter. Très bien. Alors que si j'ai une personne qui est face à moi, qui me parle vraiment de façon passionnée par rapport à la situation qu'elle a vécue, ça, c'est une personne qui est restée elle-même. Et je préfère ce genre de profil aux autres qui vont aller chercher des questions, donc. Justement, sur Internet, on trouve de tout, hein, la soft skill la plus prisée par les recruteurs, la plus arrachée par les recruteurs. Et la plus utile. Et finalement, c'est rester soi-même et parler clairement et vrai, être vrai pendant les entretiens. C'est ce que je Exactement. retiens de ton discours. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Très bien. Talal, si je te donne la parole pour conclure sur les soft skills vues par un recruteur. Donc, pour résumer, pour moi, les soft skills et les hard skills, elles vont de pair. On ne va pas négliger l'une par rapport à l'autre. On va essayer de travailler par rapport aux deux. Donc, le fait qu'on étudie, qu'on ait des diplômes, etc., c'est important. Donc, d'accord, c'est un must-have. On n'en parle même plus. Par exemple, chez nous, on ne va pas recruter des personnes si elles n'ont pas pour certains postes un bac plus 3 pour certains postes, mais pour des postes office-based, etc., si tu n'as pas un bac plus 5, on n'en parle pas. Même pas besoin de postuler. Tu peux avoir l'expérience que tu veux, mais je ne vais pas, tu passeras pas en fait dans le filtre de sélection. Donc, le fait que tu aies des diplômes, des certifications, c'est important. Donc, tout ce qui est hard skills que tu vas apprendre sur les bancs de l'école, c'est important. Tout ce que tu retiens en entreprise, que ce soit pendant les stages, pendant les expériences que tu as eues en job, etc. Tout ça, c'est des choses que tu vas apprendre concrètement, qui sont techniques aussi, à travers donc ton expérience. Donc ça, c'est important également. Et les soft skills, c'est toute ta vie en fait dynamique par rapport aux autres, par rapport à ton interaction en entreprise, par rapport à la culture, etc. Donc pour moi, ça va de pair. Il est important d'avoir les deux. Après, quand on va faire focus sur les soft skills uniquement, il est important de garder en tête que la soft skill, elle t'appartient. C'est toi. C'est pas quelque chose qu'on va te dire, par exemple. C'est pas quelque chose de ton père peut se réveiller le matin et te dire, toi, tu dois être motivé. Ça n'existe pas comme truc, d'accord? C'est toi, est-ce que tu es le genre de personne à être motivé, trouver la motivation et te motiver, motiver les autres, ou tu ne l'es pas? Il n'y a pas à trouver une motivation externe par rapport à ça. D'accord? C'est quelque chose qui t'appartient à toi. Et vu que ça t'appartient, tu es la seule personne habilitée à la vendre.
tu la vends à ta propre façon. On peut être toutes les deux dynamiques comme étant personne, mais le fait que moi je le décrive de cette façon-là, parce que c'est ce qui me représente, d'accord, et que toi tu sois une personne en plus d'être dynamique, tu es créative, tu vas trouver le moyen de me vendre cette qualité de dynamisme d'une autre façon, parce que tu es une personne donc créative. Donc le fait que tu sois toi-même, en me parlant des soft skills, c'est important. Et après, c'est aujourd'hui que tu devrais commencer à faire tes recherches, à passer le maximum de tests, etc., à en parler aux autres, à poser des questions en cours, quand tu as des intervenants, avec tes amis, avec tes parents, comment je réagissais quand j'étais enfant. Moi, j'adore poser cette question. Je faisais quoi, moi, quand j'étais enfant, par rapport à la situation, parce que je vois mon frère faire un truc, est-ce que moi aussi, je faisais la même chose? Donc, on essaie de comprendre, en fait, certaines choses à travers l'interaction avec les autres. Et voilà, j'espère que tu as passé un bon moment et je te conseille de rejoindre les autres conférences. Merci, merci Dalel. Justement, je vais faire un rappel. Je clôture moi aussi, je clôture cette séance par un rappel des prochains séminaires. Le samedi prochain, on va parler de spécialisation, les métiers qui ont de l'avenir avec Monsieur Marc Chalet. Le samedi suivant, d'après le troisième samedi, ça va être l'entrepreneuriat et si tu lançais ta start-up avec Yacine Hiddadi. Le dernier séminaire, c'est avec Madame Hind Bennani, directrice de HM Tanger, et qui va vous parler de comment construire votre carrière professionnelle. Voilà, chers amis, et on vous invite, s'il vous plaît, sérieusement, à prendre l'exercice au sérieux, à assister aux quatre séminaires en ligne, et on vous invite dans nos campus le 12, 13 et 14 mai dans les villes 12 HM Tanger, 13 HM Rabat et 14 HM Marrakech et HM Tanger. Mhbabikoum, on est là, on a un programme avec vous pour passer le test, vous passez un test psychotechnique, vous présentez ce que c'est qu'un projet professionnel et vous aider à rédiger votre propre projet professionnel et vous permettre de rencontrer des professionnels qui exercent, qui sont en activité et qui peuvent échanger avec vous sur leur expérience, leur vécu, pour vous permettre de faire le meilleur choix d'orientation possible. Merci à tous, merci Dalel pour ta présence et ton soutien, comme d'habitude. Et merci, chers collègues en back-office. Merci pour votre soutien aussi et je vous souhaite un bon ftour.